Oh putain. J'y vais pas. On a les cas magnétiques, faut y aller. Hein. De toute façon, le gun c'est bien pour les. Pour les humains, mais je pense que si je me fous nez à nez avec un alien, ça craint un petit peu. C'est même pas la peine que. Inventaire plein. Ok. Et comment je fais pour vendre ma Camelot? Je peux pas vendre ma Camelot? Ok, c'est vide. On a quoi là? On a rien. Ok, on va y aller après. Niveau de sécurité trop élevé, d'accord. Oh, ah ouais, bon sang, ouais, comme tu dis. Bonjour. Cherchez. Ouais. Le mec s'est fait criblé de balles, ça c'est pas. Oh, c'est quoi ça, le fumigène? Je prends. Schéma de grenade aveuglante. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on peut crafter ça? Je sais même plus comment est-ce qu'on fait pour faire les lancer des crafts. Alors, j'ai besoin de quoi? Cliquez ici pour fabriquer. Amorce. Ah, j'ai pas d'amorce. Hein. Comme ça, je peux pas le faire. Fumigène. Ah, je peux pas. Je peux pas crafter ça, fumigène? D'accord. Qu'est-ce qui me manque? Pistolet 5 qui manque? Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ça prend un peu de place comme ça. Donc, du coup, je. Ah ouais, j'ai pas d'amorce, on est d'accord. Et la fumigène. Je ne sais pas crafter fumigène. On reprend le gun. Niveau de sécurité trop élevé. Ah bah, je sais pas pour fumigène, d'accord. Ça va. D'accord. Ok, j'ai pu. Ah, un pack de recherche, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais je le prends. Il y a toujours l'impression que c'est qui apparaît juste après. Tu me diras, c'est vrai que en étant à ras du sol. Je peux pas forcément voir tout ce qu'il y a à voir. Bon fumigène. Ben voilà, impeccable, c'est bien ça. Et là, je peux toujours pas. Ok. Mais. On se met un revolver. Oh bon sang. La boîte. La boîte noire, elle est rouge, elle est pas noire. Quoi? Plaque de merde. Quoi? C'est trop lourd? T'arrives pas à la porter? Non! C'est mal poli. Ok. Ok. Putain, j'aime bien, on est dans un vaisseau spatial. Accès non autorisé détecté. Verrou de sécurité enclenché. Veuillez patienter pour vérification de sécurité. C'est quoi son problème là?
tout. Ok. Je me barre. Bon, testons ce truc. Ouais, ok. Comment ça marche? Ah, avec la souris, on peut... D'accord. Alors que système est rationalisé, utiliser les touches de déplacement et espace pour entrer le code de parole. En plus. Ah, c'est pas le truc qui stresse du tout là. Ah, puis je suis mauvais ce truc là. Confidentialité d'entreprise, on n'a pas foué pour en arriver là. À part le logo de la Wayland Yutani et un affichage vide, niette. D'un autre côté, ces trucs-là sont faits pour durer. Alors souhaite personne à bord du Nostromo a fait en sorte que la mémoire de leur unité centrale maman les fasse du système. Pour X raisons, les données ont été corrompues avant d'arriver ici. Je peux savoir en quoi c'était une tâche prioritaire? Ok. Ah, le mec se pose des questions, normal. Ça clignote dans tous les sens. Toujours re-sauvegarder, ouais. Parce qu'on a évité de mourir quand même, hein. Et tout ça, c'est puissance faible. Je me sens faible. On se cache. Désactive le haut de sécurité, d'accord. Est-ce que c'est ça le haut de sécurité? Ça m'a l'air d'être par là. Je tiens d'œil. Ah, oh, mais y a pas de truc là-dedans. Pistolet sur un. Ok. Thank you.
Parce que là c'est simple, mais à mon avis ça va être beaucoup plus compliqué ensuite. Avec une bonne grosse pression. Alors, terminal. Alors, chef, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà acheté 3% du système de courrier interne. Sébastopol. Ouais. Partager, qu'est-ce qu'il y a dedans? Audio, y'a rien. Utilitaire, y'a rien. D'accord. Tout qui ne sert à rien. Le mec il est content, il fait chef, j'ai fait mon travail. Oh là, c'te zinzin là. Ah, les amorces. On a quoi là? Désactiver le verrou de sécurité. Ah oui, bah oui, il y a touche entrée. Ouais, forcément. Non. Entrée. Quoi? Il faut reproduire. Oh! Allez, cache-toi. Je me mets là et je ne bouge plus. Voilà. Ah non, je ne bouge plus. Merci. En plus, je parie que c'est. Oui. Non, ah, c'est pas Parc Folie, c'est bien. Atelier technique. Ah bah, il faut que je descende, il va falloir aller comme ça. C'était un peu obligé. C'était couru d'avance. Passage là. Petit passage à gauche qui m'emmènerait. Je sais pas en fait où c'est qui m'emmènerait. Je sais pas si j'ai appris celui-là. Alors moi j'ai un super sens de l'orientation. Hyper développé. Ou pas. En fait d'accord, je suis déjà passé ici. Là-bas, d'accord, ok, c'est pas. Ah bah oui, de toute façon, il fallait que j'en monte. Par contre, je suis pas allé en bas là tout à l'heure. Il y avait un truc là. Non, il y a rien derrière, c'est juste du décor, c'est tout. Pas de trucs qui traînent, des petits loot, des petites compos, non, pas de trucs comme ça. Oh, mais cette musique là, t'as toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose. Gun, j'ai mon gun. Non c'est vrai qu'une question immersion. On est bien dedans. Attends, on est grand dedans. On est bien dedans. Ouais, on est bien. Ça, hop, je m'entraîne. Ouais.
Alors ça c'est ça. Ensuite nous avons ça. Ensuite nous avons ça. Oh, je vais mettre bien la pression. Oh. Alien a trouvé quelque chose. Tout. Bonjour, bienvenue. Système instable. Purification de l'air. Alors ça déjà, je le désactive. Système haut-parleur, je vais activer. Voilà. Il faut un peu le bordel. Je pense que ça fout le bordel sinon. Je dois passer là-bas, putain. Puis on a, il n'y en a pas qu'un. Moi. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bruit qui arrive de la gauche là-bas. On n'a pas loin un point de sauvegarde là maintenant. Quoi ça? C'est toi, otage. Oh, otage, bonjour. Je sais pas à quoi ça sert. Purification de l'air. Je sais pas, je... J'essaierai de mater. Ah ouais, d'accord, ça sert à ce que... Ah, d'accord. D'accord, ça fait de la fumée. Ah, c'est bien ça. Ça cache. Bon, ça cache aussi. Ça cache aussi. Du bruit, je me casse. Et ben, tous les visiteurs doivent s'enregistrer à la réception. Je le shoot ou pas? Même pas un petit point de sauvegarde là? Non? Bah ouais, mais là. Est-ce que eux maintenant c'est des gentils ou pas? C'est... Je m'en tape pas tout. Dans la vie, tout va si vite que l'on peut très rapidement se sentir dépassé. C'est un robot. Chez Dixon, nous gardons toujours en tête que notre principal objectif est une communication claire qui rapproche les gens où qu'ils se trouvent. C'est pourquoi toutes nos communications sont gérées par l'intelligence. Mon nom est Ripley. Amanda Ripley. J'ai besoin de votre aide. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Dixon soit en perte de vitesse. Oh ben y'a un passage là. Non. Carte d'accès non. Soudeur ionique. Ok, il y a des mecs là-bas. Je
pense pas qu'ils soient amicaux. En fait, là, je marche, mais je sais même pas où je dois aller. Je vais à la salle de contrôle des coms. Ouais, avec cette super carte. Ah, c'est sûr que là, on n'est pas dans WoW. Hein. On n'est pas dans World of Warcraft. Hein. Je dis, c'est par là, avec une flèche par terre là, qu'il faut suivre. On a même encore un soudain unique. Ok, bon bah tant qu'on n'a pas de soudain unique. Hein. Faites confiance à Blanchard. Il fait peur. Toujours à l'écouter, toujours à votre service. Wow. Nos synthétiques sont conçus dans la simplicité. Pas de simulation d'émotion, pas de qualités humaines. Ils se contentent de travailler pour vous, afin que vous puissiez mener une vie plus tranquille et plus zen. Lambda. Étonnamment simple et tout simplement étonnant. Ah ouais, bien, bien, bien. Image de la caméra. Ça, non. Accès à la porte. Ah, ça coûte 3 et... Ah, d'accord, ok. Voilà, tac. Là, j'ai rerouté. Normalement, je devrais avoir accès à la porte, là. Non, d'accord. Oh, pour votre confort et par souci de sécurité, nos synthétiques lambda ont été conçus pour être reconnus du premier coup d'œil. Des études ont démontré que les consommateurs ressentent souvent une certaine gêne lorsqu'ils interagissent avec des humanoïdes avancés. Les lambda de Sixon sont facilement reconnaissables. Vous saurez donc toujours à qui vous vous adressez. Ne vous préoccupez de rien. Sixon vous fait cette promesse. Votre confort est notre priorité. Celle-là. Oh, inventaire plein. On va crafter des trucs, je sais pas, mais medikit, est-ce que je peux en crafter 1, 2, 3. Ensuite, est-ce que je peux crafter bon fumigène? Non. Je vais faire des... Ah, je peux pas détecteur. Ah merde, dommage. Ah oui, il ne restait plus que ça à faire, ok. Et là, ce que je peux ramasser maintenant. Merci. C'est tout? Tout ça pour m'accéder à ça, c'est tout? D'accord. Purification de l'air, accès à la porte. Sur 14. Ok. Ok. Je sais pas ce que c'est que accès. Ah bah, encore une porte là. Fin d'accès requise. Non, c'était. Ouais, d'accord, c'était l'autre porte. Puis j'ai pas de sauvegarde, bah ça me fait un peu chier. Y a un mec là-bas. Android, ça. Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Et il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. Je vous le déconseille.
Ok, donc tout ça c'est des... cyborg androïdes. Un truc par là. On continue. Hein. C'est une sorte de détecteur. Ah, nous y voilà. Il a été trafiqué. Non, aucun problème. Ah, oh, ce bruit. C'est pas encore. Je trouve que c'est pas tout à fait le. Même que dans le film. Mais. Mais c'est bien quand même. Alors, personnel. Yogi a installé un verrou manuel sur la porte qui mène à l'étage, avec un accident jusqu'à ce qu'on découvre ce qui cloche. D'accord. Erreur, emplacement invalide. Ok. Notre manifeste a publié une édition. Ce but n'est pas du monde, mais ok. Oh, c'est quoi encore cette merde? Quand tu es chiant là. Audio. Marie, si jamais t'as ce message, je suis en route pour le centre de communication Sixon. Je ne t'ai pas réveillé parce que je savais que t'essaierais de m'arrêter. J'espère que tu comprendras, c'est notre meilleure chance. Quelqu'un doit rétablir les communications. Il faut qu'on fasse en sorte que le gouvernement sache ce qui se passe. T'inquiète pas, je vais revenir. J'ai pas l'intention de vous laisser tomber, Claire et toi. Ah, accès à la porte sectionnée. Voilà. Le mélange, voilà. Pistolet de seringue, voilà. Fumigène. J'en refais plein. Un peu de trucs ramasser. Non, c'est bon. Ok. Alors. Oh, la récréation des employés humains. C'est la récré. Oh. Bah alors là, je dis pas non. Et ben, ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là.